merci beaucoup. Nous voici enfin pour clôturer notre sujet aujourd'hui et ce soir. Tosi ki dilaye wa bomi ntete obedi loleje ba ku jiki ja chana bolu cheto. Nous vous avons annoncé déjà. Tuka vo bamana kunu manyisha. À partir de demain, ce sera des réunions consécutives. Le diacre Livre sera ici à partir de demain. Jeudi, vendredi et samedi, il y aura la prière. Ceux qui cherchent le baptême du Saint-Esprit peuvent déjà être connectés à partir de demain. Comme nous devons terminer notre sujet, aujourd'hui nous touchons le dernier point que je complète comme ceci. Le nom de la bête ou le nombre de son nom qui est 666. Je reprends, c'est le sixième et dernier point. Le nom de la bête ou le nombre de son nom qui est 666. Pour cela, nous lisons Apocalypse 13, 17 et 18. Nous clôturons ce chapitre aujourd'hui. Et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'homme et son nombre est 666. Seigneur Jésus, c'est aujourd'hui que nous clôturons. Assiste-nous encore, que ta crainte soit en nous, Seigneur. Que nous soyons notre langage, nous soyons notre langage avec notre intelligence, mais avec ta sagesse, Seigneur. Parle-nous, c'est à tes enfants, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et comme nous le montrons tous ces jours, je ne fais que faire parler les prophètes. Et je crois que, comme je vous avais demandé d'aller à l'internet, précisément les moteurs de recherche Google, pour que vous lisez vous-même les documents ou les pactes que le pape avait signé avec l'imam Al de musulmans là. Alors, si vous avez lu ça, vous allez remarquer, ce sont des bonnes choses, c'est l'aspiration de tous les peuples. Et ce qu'ils ont préparé là. Toute personne qui va trouver que où se trouve le mal, plutôt la bonne chose. C'est la solution que nous avons toujours tirée depuis longtemps. Comment on peut contre avec des choses comme ça? Parce qu'il veut être la répartition équitable des biens de la planète sur tout le monde. C'est pourquoi ce pacte là va plaire tout le monde. Il sera apprécié. Parce que ça, la solution.
C'est ce que la justice équitable. C'est pourquoi vous remarquez que dans le livre de l'Apocalypse, vous voyez, parce que quand il va proposer ce pacte-là, quand ça va s'impacter dans le monde, les gens seront contents. C'est la solution. C'est l'Apocalypse 13. Verset 8. Il est dit, tous les habitants de la terre l'adoreront. Mais qui sont ceux qui vont l'adorer? Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Il y a deux livres. Ceux qui sont du message connaissent ce que je veux dire ici. Il y a les livres de vie de l'agneau et les vies tout court. Les prédestinés. Les pousses du Seigneur Jésus-Christ. Les livres se trouvent dans de l'agneau. Parce que pour eux, bien que c'est ça dans les champs, quelque chose de bien, et cette proposition-là, ce pacte-là, ils savent que la Bible dit, quelqu'un adore la bête, reçoit son image, et sur son front, il te reçoit la marque. Lui aussi va boire le même jugement. C'est pourquoi pour les élus, ils ne peuvent pas être séduits par ça. Parce que leur Dieu a dit, ne vous mêlez pas. Or ne pas se mêler signifie la mort. Bon, parce que nous devons terminer. Alors c'est ce que je voulais rappeler pour faire suite à ce que nous clôturons hier sur le pacte là que je vous avais lu. Et si vous lisez ça, vous trouverez que mais c'est quelque chose de bien, c'est flattant. Alors aujourd'hui, terminons avec les noms de la bête, tous les nombres de son nom, qui est 666. Et c'est ce qui dit, personne ne peut acheter ni vendre. Marc, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Voyez ce qui est dit ici. Le nom de la bête ou le nombre de son nom. Le nom constitue un nombre. A un nom. Maintenant, quand nous prenons coronavirus comme on faisait le jeu Corona, ainsi on dit que 666. Non, c'est pas ça. C'est pas ça le nom de la bête. Parce qu'il est bien dit le nom de la bête ou le nombre de son nom. Donc son nom là, quand on doit calculer, doit donner 666. Et ce nom là, c'est le nom de la bête. Coronavirus n'est pas la bête. Et toutes ces choses qu'on spécule. Mais gagnons du temps. Je vous rappelle, je rappelle à mes auditeurs, à vous qui me suivez, surtout ceux qui lisent les médias.
Nous vous avons lu ça la fois passée. Comment le prophète avait parlé dans les premiers sauts. Comment l'antichrist. Rome. C'est bien. Celui qui est à la. Fait là aussi pacte avec le juif. L'alliance avec le juif. Pour au milieu de 3 ans et demi, il va rompre l'alliance. Daniel 9. Daniel chapitre 8. Il aura tout en main. Alors, je suis déjà dans le sujet. Dans le premier saut, prêcher Jésus mars 1963. Au paragraphe 355, le prophète, au milieu de 3 ans et demi, il rompt son alliance. Aussitôt que tout est réglé, et qu'il a immobilisé l'argent des juifs, et quand il fait ça, il dit oh là là, paragraphe 356, il s'appelle l'antichrist jusqu'à la fin de l'âge de l'église. Pourquoi? Hein? Parce que notre sujet, le nom de la bête, ou le nombre de son nom. C'est marqué ici, jusqu'à la fin de l'âge, il s'appelle encore Antichrist. Parce qu'il s'oppose parole. Maintenant, il est marqué, paragraphe 357. Or, il aura tout l'argent en main. Suivez bien comment le nom va commencer à varier. Et alors, je pense que c'est à ce moment-là qu'il introduit la marque de la bête. 358. L'antichrist. Et aux yeux de Dieu, il s'appelait l'antichrist jusqu'au temps de la fin. Mais à ce moment-là, il s'appellera autrement. Donc après l'enlèvement, il sera identifié autrement. Quand le blouse est enlevé, comme nous l'avons montré quand nous enseignons ces choses, selon Apocalypse 12, 7 à 9, Satan sera précipité. Il viendra s'enlever. Écoutez le prophète. Toujours la même position. 362. Ensuite, dans Apocalypse 12, 7 à 9, quand Satan est précipité, il dit, notez-le, parce que je veux que vous le lisiez. Il dit, mais dans Apocalypse 12, 7 à 9, Satan, l'esprit, le diable, qui est là-haut en ce moment, que maintenant il est encore en haut, l'accusateur de frères, 163. Je laisse parler le prophète. Livre mystérieux que je ne peux pas interpréter moi. L'esprit est enlevé et l'église est enlevée.
Mais aussitôt que l'église sera en l'air, Satan sera précipité. Écoutez, quand l'église monte, c'est le prophète qui parle. Satan descend. Alors Satan s'incarne dans l'Antichrist. Et il la bête. Bête, ce n'est pas dans le sens de l'injure, mais une puissance. Voyez la bête qui montait de la terre. Et Daniel avait vu quatre bêtes. Donc, des royaumes puissants. Le quatrième royaume, la quatrième bête, sa tête était blessée. Mais cette blessure fut guérie. Donc Rome, puissante, l'Empire, qui dominait par la politique, quand elle a perdu, toute nation devait perdre, l'a récupéré du côté de la religion. Mais voyez, quand Satan est précipité, il vient avec sa puissance. C'est pourquoi vous lirez dans 2 Thessaloniciens. Chapitre 2. Chapitre, il dit l'apparition de cette. C'est pas moi qui dis, je répète la Bible. C'est comme ça que la Bible dit. Disons 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens. Verset 9. L'apparition de cet impie, la puissance de Satan. Avec toutes sortes de miracles. Et des prodiges. Pour que vous compreniez que je n'invente pas la Bible, soit je lis le prophète. Comment ça sera cet appareil? Comment ça fera par la puissance? Quand le pouce est enlevé, Satan vient s'incarner en lui. Satan devient puissant. Il est appelé la bête. Il va s'imposer comme lui. Voyez? Maintenant, je commence les gens à amener le sujet. Nous sommes en 1954. Je vous attire bien votre attention. Nous avons lu dans la Bible que la Bible a dit le nom de la bête ou le nombre de son nom. Le nom de la bête ou le nombre de son nom. Il est de la papauté. C'est une succession. Voyez, on vient prendre cette place. Ce n'est pas le nom de celui qui vient occuper cette place-là. Mais ce trône-là, quand la personne l'occupe, Pape. Au temps où l'église sera enlevée, le pape de ce temps-là, si c'est celui que nous l'avons, quand Satan s'incarne, il devient puissant. C'est ça l'expression la bête. Il devient puissant. Et vous savez tout ce que nous avons démontré ce jour. Alors il est pas lui qui a de l'intelligence et qui le nombre de la bête. Je vais relire un peu dans la Bible. Et celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Ce n'est pas que la quantité des bêtes, nombre en quantité, mais c'est le nombre de son nom. C'est que si vous sélectionnez son nom, vous additionnez son nom, et
avez trouvé 666. Mais là, j'ai cette réponse du 15 mai 1950 termine aujourd'hui. Si je serai ceux qui me suivent dans notre ville ici, vous suivrez cela encore ce soir parce que ça passera à notre radio. Et ceux qui nous suivent par la voie de l'internet, vous finirez par placer cette prédication. Suivre cela. Parce qu'il faut que je termine aujourd'hui. Et ma façon d'avancer, c'est je laisse parler les prophètes. Dans la question du 15 mai 1954, la 33e question. On avait posé cette question, suivez très bien. Quels sont les mots latins qui se trouvent au-dessus de la cité du Vatican en Branham? La question. Nous aimerions savoir comment il s'additionne pour faire 666. Et ce qu'il signifie. Suivez très bien. Je vais bien faire assimiler la question. Ça, c'est la première citation. Nous allons lire comment il va parler. On lui a posé cette question. Quels sont les mots latins qui se trouvent au-dessus de la cité du Vatican? Nous aimerions savoir comment il s'additionne pour cela. Pour faire 666 plutôt. Et ce qu'il signifie. Rappelez-vous notre sujet, notre dernier sujet ici. Nom de la bête ou le nombre de son nom qui est 666. Le frère commence à répondre. Suivez. Paragraphe 159, c'est là qu'il commence à répondre. Jusqu'à 160. Le prophète dit, eh bien, il ne se trouve pas au-dessus du Vatican donc. Les mots latins ne se trouvent pas au-dessus de la cité du Vatican. Il se trouve au-dessus du trône du pape. À l'endroit où il s'assied sur son trône. Au-dessus, il est écrit Vicarius Filii Dei. Vicarius Filii Dei. Je montre ça à ceux qui me suivent. Voici. Mais si on va bien prononcer ça en latin, Vicarius, il faut dire Vicarius Filii Dei. Donc c'était comme ça que c'était écrit, mais c'est Vicarius Filii Dei. Donc il y a V, il y a I, il y a C, il y a A, il y a R, il y a encore I, il y a encore V, et S. C'est-à-dire que vicaire, vicarius. Vicarius. Et puis Filii, ça s'écrit F, I,
L le double I I de de fili fili et puis D achi sha D B D E et I ni tout celui qui connaît le chiffre latin bah yonso ou manye bi chiffre bien latin parce que c'est comme ça que c'est écrit sur ton trône bah le machin de roque ou de baba fonda ambassadeur de bouton en ce temps là parce que les papes chaque pape qui venait pouvait varier bah le pape yonso vous ou vous moi vous chien tout le monde au départ c'était comme ça car il y a un autre quand il était venu avait mis sur ce dur Alex je ne me rappelle plus j'ai perdu voilà, Doug Sclary. Celui d'aujourd'hui, je ne sais pas si il est trop fraternel. J'aimerais que vous reteniez ceci. Avant que je revienne à terminer à ce que le prophète dit. Le chiffre latin bi chiffre bi amu latin I est égal à 1 I mbono ko mbene umo notez ça V c'est 5 V mbono ko mbene itan en latin 10 c'est X c'est 10 X mbono ko mbene jigo mi L c'est 50 le mbono mi itan C c'est 100 C mbono ko mbene lugama D c'est 500 D mbono ko mbene ngana itan M c'est 1000 mais tous ceux qui connaissent le latin c'est comme ça je termine d'abord avec le prophète au-dessus il est écrit Vicarius Filii Dei si vous le désirez demain matin j'apporterai ça par écrit et tout je mettrai ça sur un bout de papier comme je viens de vous le montrer. Si vous voulez avoir ça, eh bien je vous l'apporterai demain matin. Là, vous pourrez déchiffrer cela en lettres romains. Vicarius Filii Dei. Ce terme signifie à la place du Fils de Dieu. Le mot vicaire, vous savez très bien, même ici, à Mbujimayi, il y a un endroit où vous appelez vicaire. Je ne, moi, je ne suis pas catholique. Vous voyez? Donc, ceux qui remplacent. Sur le trône du pape et non sur l'entrée du Vatican. Non. J'ai dit sur le trône du pape et non sur le trône, sur l'entrée du Vatican. Ce terme signifie à la place du Fils de Dieu. Qui est le successeur du Fils de Dieu. C'est comme ça qu'ils sont identifiés. Le pape qui vient, il est comme remplaçant du Fils de Dieu sur la terre. Il est identifié comme ça. Il est le vicaire du Fils de Dieu. C'est pourquoi sur le trône c'est écrit comme ça. Ce n'est pas sur le Vatican qui est la ville, mais l'endroit où il se met. Pour dire que celui-ci que vous voyez qui est assis ici, c'est lui le Vicarius Filii Dei, le remplaçant du Fils de Dieu. C'est ça son nom. C'est comme ça qu'on l'identifie. Et la Bible dit que celui de l'intelligence calcule le nom ou le nombre du nom de la bête. Or, si nous prenons ces mots, cette identité-là, cette qualification-là, Vicarius, nous prenons V comme 5 et I comme 1
et 6. Comme 100, nous avons déjà 100 et 6. Ah, n'a pas de correspondant. Ah, R n'a pas de correspondant. Ré, quel est le I a le correspondant, c'est 1. Et V a le correspondant, c'est 5. Et S n'a pas de correspondant. Quand nous prélevons les mots et les chiffres romains qui se trouvent, qui constituent le mot vicarvis, alors nous avons déjà, avec les chiffres, nous avons déjà 112. Mais la fille, qui est comme fils, F n'a pas de correspondant. F, c'est 1. L en romain, chiffre romain, c'est 50. Le, et I encore, c'est 1. Et l'autre I encore, c'est 1. Donc, quand nous prenons fili, quand nous prélevons les chiffres latins là-bas, nous les additionnons, ça nous fait 53. Maintenant, Dei. D. D. En chiffre romain, c'est 500. Et E n'a pas de correspondant en chiffre romain. Nous laissons tomber. Nous prenons I. En chiffre romain, c'est 1. Nous avons donc là 501. Donc, vicarvis, 112, plus filii, nous avons trouvé 53. Et puis Dei, nous avons trouvé 501. Quand nous additionnons, la Bible dit que c'est lui qui a de l'intelligence. Calcule le nombre de la bête. 112. Plus 53. Plus 501. Égal 666. C'est ça que je vous montre pour qui me suivez. Voilà, je fais ressortir ça comme ça. Donc c'est cela, c'est ce qui est là. Maintenant nous continuons avec le prophète. Écoutez comment il est en train de parler. Il dit paragraphe 160. L'église catholique croit que Pierre a été le premier pape. Qu'il a été le successeur de Jésus-Christ. Ce qui est une erreur. Très bien. Puis il déclare que chaque pape qui est venu après lui est un successeur. Donc le premier pape se fit Pierre. Or Pierre a été décapité en Rome. Non, il n'était pas le premier pape. C'est quelque chose qui n'est pas vrai. Et maintenant, tout pape qui vient, il est le successeur de Jésus-Christ. Et que chaque pape qui est venu après lui est un successeur. Et que le pape actuel, qui est en place maintenant, en ce temps-là 54, est un successeur de Jésus-Christ. Donc ce trône-là, cette chaise-là, ce trône-là, ce trône-là, celui qui l'occupe devient automatiquement le remplaçant du Fils de Dieu. C'est-à-dire, il est vicarius filii Dei. On dit que, quand on se dit que celui-ci est le remplaçant du vicarius filii Dei. C'est écrit là-dessus. C'est le prophète qui parle. On n'avait qu'à écrire cela en lettres romaines. On dit X
pour 10. V pour 5. Et ainsi de suite. Ici, il répondait à la question qu'on lui avait posée, qui était celle-ci. Quels sont les mots latins qui se trouvent au-dessus de la cité du Vatican? Nous aimerions savoir comment il s'additionne pour faire 666. Comme je vous ai montré, vos frères du message connaissent et pouvaient vous renseigner auprès d'eux. Vous voyez que ça ne passe toujours de ce côté-là. Alors, frère Bana m'a corrigé. Et que ce n'est pas à l'entrée du Vatican. Mais c'est sur le trône du pape. Là qui s'appelait Vicarius Filii Dei. Il s'était rendu là-bas et frère Banham ne rapportait pas ce qu'on lui avait dit. Je ferai le surprise comment il parlait. Je suis maintenant dans pourquoi ne sommes-nous pas une dénomination. Dans cette prédication, il a fait allusion à notre sujet ici. Maintenant, c'était le 27 septembre 1958 pendant qu'il prêchait. Paragraphe 59 d'abord. Maintenant arrêtez-vous, voyez qu'à travers ces âges de l'Église se dévoile le Saint-Esprit ainsi. Non, gagnez du temps. Parce que je vais terminer aujourd'hui. Paragraphe 60. À ma connaissance, il n'y a qu'une ville dans le monde déterminée par la phrase. Il y a à ma connaissance deux villes situées sur cette montagne ou davantage de montagnes. Il a commencé une ville des États-Unis, Cincinnati. Il dit, c'est l'une d'elles. Il est censé y avoir une histoire inventée sur Cincinnati. D'une louve, vous savez, une louve qui avait enfanté l'enfant ainsi de suite. Cependant, il n'y a qu'une église qui domine, Cincinnati. Donc il voulait montrer qu'il n'y a que deux villes. La première c'est Cincinnati qui est au dessus d'une ville, mais il dit qu'il n'y a pas, il n'y a aucune église qui domine sur cette ville là. Cependant, il n'y a qu'une seule ville au monde où se trouve une église assise sur cette colline et qui domine le monde entier. Il dit, eh bien, j'en viens justement. En 58 là, j'en viens justement. Je vis là où il est écrit, là où il est dit, dans la Bible. C'est ici la sagesse. Je vis là où il est écrit, c'est ici la sagesse. Il dit dans Apocalypse 13 que celui qui a de la sagesse calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes. Mais il dit que pas d'une bande d'hommes,
Ce n'est pas un nombre d'hommes comme une bande d'hommes au pluriel. Ou d'un groupe d'hommes. Mais d'un homme. Et son nombre est 666. Il dit, j'avais souvent entendu dire qu'au-dessus du trône du pape, il est écrit Vicarius Filii Dei. Je m'étais souvent demandé si c'était vrai. Tracer une ligne, ça dit que sur ce nom-là, et reporter-le en chiffres. Vous voyez ce qu'il en est. Prenez seulement Vicarius là. Vicarius tirez une ligne en dessous. Une ligne au-dessus. Vous verrez que le V sortira 5. Il sortira un ainsi de suite. Il dit c'est l'exacte vérité. Il dit je me suis tenu à cette distance ici de la tiare du pape. Donc, il a mesuré de la chair là où il était avec les endroits où les gens se trouvaient. Il dit, je me suis tenu là-bas. Qui était dans une vitrine. Et j'ai tiré, moi aussi j'ai tiré dans Google toujours. Du côté image. Pour voir ce tiers là, ce couronne là. C'est comme ça, trois étages. Vous voyez? Non, et ces trois étages là, ou ces trois parties là, qu'est-ce que ça veut dire? On dit qu'il est arrivé au Vatican. Il est entré. Et on a placé dans la vitrine. Il a remarqué ce tiers là. On passe en trois parties. Cela signifie quoi ces trois parties? Première partie, juridiction de l'enfer. Et puis sur le ciel aussi. Et juridiction sur le purgatoire. Donc, ah, il a la juridiction sur l'enfer. Il a la juridiction sur le ciel. Et juridiction sur le purgatoire. Donc, quand tu es assis sur le trône de remplaçant du Fils de Dieu, et qu'il porte ce tiare là, donc cet homme est remplaçant du Fils de Dieu. Il a la juridiction sur l'enfer. Donc il peut dire un mot pour quelqu'un quitte l'enfer. Et il a la juridiction sur le ciel. Il est capable d'envoyer quelqu'un au ciel. Et sur le purgatoire. Moi-même j'ai vu ça. Voyez-vous, je reviens justement de là. Je reviens de Rome. Et je sais que c'est la vérité. Maintenant, nous savons que c'est des pains comme ça. Ça, ce n'est pas, on lui a raconté, il a fini par aller là-bas, il a vu ça. Et en 1960, il fait encore allusion de notre sujet ici. Dans sa prédication, l'âge de l'église de Sardes, du 9 décembre 1960. Je ne veux pas tout expliquer parce qu'il faut que je termine aujourd'hui. Je vous laisse parler. Au paragraphe 39,
en français. En anglais, c'est paragraphe 38. Nous lirons 39 jusqu'à 42. Je commence à lire les prophètes. Maintenant, voici pour celui qui a de la sagesse. Il dictera et écrivait ceci. Il revient au même mot. Icarus Philidei. Il dit après avoir tracé une ligne ici, en dessous. Et avoir additionné les valeurs numériques, vous obtenez exactement ce que Dieu a dit être la marque de la bête. Ça, je laisse parler les prophètes. Vous voyez, Icarus Philii. Eh bien, j'ai été à Rome. J'ai été au Vatican. Et la triple couronne de tiare là-dedans. L'autorité sur l'enfer. Le ciel. Et le purgatoire. J'ai vu la couronne. J'ai vu la veste. J'ai vu là même, il est terminé par la phrase. Maintenant, écoutez paragraphe 40. C'est quelqu'un qui lui avait, un baron là, qui lui avait occasionné pour qu'il puisse arriver là-bas. Il avait obtenu une entretien, il devait aller voir le pape aussi. Il dit, en fait, un jeudi après, midi, à Rome là-bas, au Vatican. À 3h, je devais rencontrer le pape qui était en fonction à les barons vont le Bloomberg. Il m'avait dit parce que c'est lui qui avait obtenu ces choses-là. Maintenant, il est dans le dispersion protocole. On est en monde de montant Frabanam. Comment il va procéder? Il va entrer là-bas. Et il m'a dit, eh bien, Frabanam, lorsque vous irez, la première chose que vous devez faire, c'est de vous agir sur le droit. Et baiser cet anneau-là. Écoutez, j'ai répondu. Ça, c'est exclu. Alors laissez tomber cet audience. J'ai dit, je n'ai rien à cet homme. Et je dis, il y a une chose, l'honorer bien volontiers c'est un ordre. Si c'est avec un épiscope, un docteur, quoi que ce soit, je respecterai volontiers un homme. Mais quand tu as adoré un homme, ça génuit, c'est ça adorer. Voyez, c'est comme vous vénérez la personne. Quand tu as adoré un homme, je ne dois rendre qu'à un seul homme, Jésus-Christ. C'est le seul homme de vie, je m'agénuerai. Alors, je à ce baron-là, il avait obtenu l'audience.
Oubliez tout simplement cela. Annulez le mariage. Je ne peux pas accepter cela. Mais combien partent? On ne prend la main comme ça, on baise. On vient s'adresser. Maintenant, à mon retour à la maison, j'ai découvert qu'un autre Américain, un grand homme, peut aussi faire cela. Teddy Roosevelt, donc lui ça Roosevelt, vous voyez dans ma mère bouée, t'as toi qui fait, tiens mon tu le pape, entrez là-bas, je vous dis que quand vous entrez en audience, oh du bouée mon tombe, mais pas moi, dis-moi du cadre, y'a pas comment on est pape, parce que vous savez, bonne nuit maman, quand vous êtes invité ou vous avez l'audience à un gouverneur ou une autorité, pas de mon bique, dis-moi pas où y'a comment on est. Ah, les gens de protocole vont vous montrer comment on va procéder. Quand il va entrer, tu dois prendre des dispositions comme ceci. Même si vous allez voir le président, on va vous donner des consignes. Quand il voulait le voir, il voulait rencontrer le pape, mais il voulait vraiment le voir, il voulait être témoin des choses. Voyez, il y a si on a vu toutes ces choses là, alors maintenant il faut qu'il entre. Alors des consignes qu'on lui a données, et que ça, ça ne marchera pas. Il dit il avait besoin de voir le pape parce qu'il aurait besoin son anneau. Cet homme-là. Et maintenant, ça c'est l'adoration. Nous sommes 31. Je ne fais que parler les prophètes. Qui ne fait que confier la même chose. Si août 61, dans la prédication de la 10e semaine de Daniel, Si Seigneur, je tends déjà vers la fin, parce que j'ai demandé que je termine vraiment aujourd'hui. Maintenant, frère Bernard, vous voyez, depuis que j'ai commencé à traiter ce chapitre, je ne le fais que parler. C'est lui qui nous interprète la parole. La clôture ici. Il parle. Maintenant, on pourrait prendre ici d'Apocalypse 13. Après que cet homme est assis sur une. Dans une ville, il se trouve sur cette colline. Vous savez que Rome est bâti sur cette colline. Je vous ai lu ce jour-là. Je vous ai lu encore cela. Les sept collines sur laquelle. Bâti. L'inventaire. Le Caelius. Le Caelius. Le Capitole. Le Capitole. L'Esquelin. L'Esquelin. Le Palatin. Le Palatin. Quirinal. Le Quirinal. Et le Viminal. Le Viminal. Prononcé comme je lis ici. Le mouton. En latin, on prononce autrement. C'est exactement ça. Alors il dit, maintenant on pourrait prendre ici d'Apocalypse 13. C'est que cet homme est assis sur une ville. Dans une ville. Et que cette ville se trouve sur cette colline. Il dit, et le nombre de la bête, c'est 660. Il dit, écrit
l'alphabet latin, l'alphabet romain. Non, c'est écrit. 666. C'est Vicarius Filii. Ce qui veut dire la place du Fils de Dieu. Sur le trône d'un pape, et son siège. Et il a triple couronne, ce qu'on fait. Et cette couronne, je l'ai vu de mes yeux. On dit que je l'ai vu de mes yeux. Elle n'était pas près de moi que ma main de mon visage. C'est ça, j'ai vu la tiare. Là-bas au Vatican, de mes yeux. J'étais là. Je le regardais pour être sûr de ce que j'avance ou je dis. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Je lis le prophète. Et la dernière citation, comme aujourd'hui nous terminons vraiment à... Nous clôturons. C'est dans le deuxième saut, mars 1963. Mais quand ce terrible esprit séducteur, oh là là, c'est l'esprit incarné, il cet esprit de doctrine, s'est incarné dans un homme. Pour prendre la place de Christ, il lui faut être doré. Dieu devenir un objet d'adoration comme Christ. Autrement dit, la Vatican, j'y suis allé moi-même. Il est écrit Vicarius Filii, donc sur son trône quoi. Et c'est écrit en chiffres romains. Maintenant vous n'avez qu'à tirer une ligne au bas de chiffres romains. Et ça veut dire à la place du Fils Dieu. Il, autrement dit, il est vicaire. Vous savez ce qu'un vicaire. Qui vous connaissez ça? Moi, j'étais protestant. Depuis que je suis allé dans l'assemblée de Dieu, j'étais devenu pentecôtiste. Du protestantisme. Pentecôtisme et maintenant au message. Et la Bible dit que celui qui possède les dons de sagesse calcule le nombre de la bête par certain nombre d'hommes et son nombre est 666. Maintenant prenez vite. Tire une ligne avec la valeur des chiffres romains. V pour 5. V nitano. I pour 1. Et faire l'addition. Et voyez si vous n'obtenez pas. Bible dit qu'il serait assis dans les temples Dieu adoré comme Dieu. Quand cette petite doctrine s'est incarnée, elle est devenue un vicaire. Et la
à la place de Dieu. Vous voyez? Esprit séducteur. Si vous voulez le lire, c'est le prophète qui parle. Il dit dans Deutéronome chapitre 2, verset 3. Et vous verrez ce qu'il. Voilà, nous venons et boucler notre grand sujet que nous avons commencé depuis un mois. Alors je vous montre, voilà, c'est ça. C'est mon vicarius filidei comme vous avez montré. Vous pouvez noter, je fais traîner un peu. Vous qui me voyez, vous suivez par notre net. Et ici, voici comment j'ai. Ça. Mon ami, je ne me bilonne de ça. V pour 5. V, ni dan. Et I pour 1. Me fait là. C pour 100. C, ndugama. I pour. I, vous me fait là. Vicarius. Tomène, vicarius. Et vous. 112. Nous gardons maintenant que je suis goéta, tchétacha, lukama, dit comme une bidine. Voilà. Vous voulez que maintenant nous terminons notre sujet. Bonjour, Kitchen Bomus. Je fais maintenant, ouf, je viens de finir. Que celui qui a des oreilles puisse entendre. Alors demain, le diacre Livey va entrer en scène. Nous avons remarqué que depuis que nous avons parlé le dimanche, presque tous les jours les gens ne viennent que se faire baptiser. Préparez bien. Alors demain, le diacre Eli va commencer les instructions selon votre demande. Le Saint-Esprit en toi va te conduire vers la parole. C'est là que tu ne seras pas séduit. Parce que tout l'impact là, ça t'avantageait. C'est ce qu'on doit faire. C'est là que nous militons. Les biens de la population. C'est ce qui va mener tout le monde. Que Dieu nous a mis en garde pour ce système-là. Si votre nom n'est pas écrit dans le livre de vie de l'agneau, vous appelez cela, c'est bon. C'est ce qui n'est pas en toi. Alors, c'est ça la solution que nous avons. Je vous voir lire un peu ce pacte là. Vous pouvez peut-être vous fâcher contre moi. Où se trouve le mal? Mais c'est tout ceci pour ceci que nous combattons. Et Dieu a dit, c'est lui qui adore. Reçoit la marque. Sur son visage, sur sa main. Il boira. Pas d'accord sur cette conduite là. Moi seulement c'est la mise en garde que Dieu nous a donnée. Quelqu'un adore la bête et son image et reçoit la marque sur sa main ou sur son front, il boira lui aussi. Inclinons nos têtes. Seigneur Jésus, merci comme tu nous as aidé à terminer aujourd'hui. Depuis un mois, nous prêchons ici. Nous recevons les gens à l'église. Nous parlions beaucoup, Seigneur. Nous voulons un petit repos, Père. C'est pourquoi demain, à partir de demain, notre frère lit. Qui va aller jusque vendredi et dimanche, jusqu'à samedi.
Nous te remercions que tu sois avec lui. Parce que le dimanche, déjà que DCP va revenir, jusque toute la semaine et à clôturer l'autre dimanche en 8. Et qu'il parlera le mercredi, le dimanche, le mercredi, le vendredi et le dimanche encore. Pendant ce temps, nous nous reposons un peu. Des sujets que nous devons amener. Parce que nous sommes les bergers de notre troupeau qui nous a confié le tabernacle de Mbujimayi. Je dois encore revenir car c'est mon poste de travail. Je pressens déjà les sujets que tu mets dans mon cœur. Donne-moi cette énergie quand je vais me reposer. Pour que nous puissions arriver encore à la fin. Merci pour tout ceci. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. À nos internautes. Nous allons nous retrouver à la prochaine. Mais nous allons continuer. Les prédications vont continuer.